petit shooting photo, histoire de renouveler un peu le, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Ça fait longtemps qu'on a pris des photos et je crois qu'on profite un peu du soleil. T'as pas assez de faf? T'as pas assez de faf? J'ai pas assez de ronds, mec. J'ai pas assez de ronds, les habits sont froissés, tout ça. Mais t'as quand même des Dior. Hein? T'as quand même des cuissons Dior. Ah gros, j'ai pas de cabine, mais j'ai des Dior, j'ai rien. C'est rien ça. C'est le plaisir de la vie, tu connais. Entraînement, hein. Coach, ouais, j'étais au musée. J'étais au musée, coach. Va réfléchir là. En fait, il faut savoir que je suis faible. Tu rentres dans un magasin, t'as pas besoin d'acheter des trucs. Tu ressors, t'achètes des trucs. C'est 2-3 chemises. Un peu dans ce style là, tu vois. Cajou. Je tourne dans une galerie du marais. Donc, on se balade, hein, c'est pas normal, on profite des derniers instants. Une libre attitude. Journée, on va terminer, donc là on va rentrer tranquillement, faire une petite récup tranquille et bien manger, hein. Bien manger avant un match important et voilà. Comment je me prépare? Bah, rien de spécial, hein, en vrai, veille de match, je suis souvent où je fais un petit tour ou alors je suis chez moi tranquille, je me repose, j'essaie de pas trop bouger avant un match pour pouvoir vraiment être frais pour le lendemain et après j'ai pas vraiment de choses particulières comme certaines personnes peuvent avoir mais moi je suis vraiment dans le basique quoi. On a un gros match qui nous attend, c'est notre premier match à domicile, on a envie de gagner
Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au Palau. Ça va être particulier parce qu'il n'y aura pas de public, etc. Mais on est chez nous, on a envie de gagner. Et j'espère que ça va être un très gros match. Demain, on affronte une belle équipe, une équipe jeune, mais avec beaucoup de niveaux, beaucoup de qualité. Ça va être, je pense, un très gros match. Et voilà, nous, on est à la maison, c'est notre premier match. Donc on a envie de bien commencer et en espérant gagner le match, simplement. Ouais, on est arrivé, jour de match. Je pense qu'un gros match nous attend, une bonne équipe de Cellier. Comme je l'ai dit, c'est une équipe jeune, mais c'est une équipe qui a envie de gagner. Et voilà, donc je pense qu'ils sont venus ici avec l'objectif de gagner, mais nous on est chez nous et comme d'habitude chez nous on n'a pas envie de laisser partir aucun point, donc on va refaire le maximum pour pouvoir gagner le match. If I pull up on you, would you tell me what is your problem? Can I pull up on you? Would you get out of the lobby, Gabby? I was outside. You just had nine. If I pull up on you. Would you tell me what is your problem? Can I pull up on you? Would you get out of the lobby, Gabby? I was outside. On a fait un très gros match. Il n'y a pas une ambiance qu'on voulait parce que forcément c'était vide. Mais le plus important, la victoire, on a gagné, on est content. Et voilà, maintenant on va se reposer tranquillement et pour pouvoir enchaîner et pour les prochains entraînements, les prochains matchs. Et voilà quoi, je voulais faire ça. Là c'est cool, on a gagné à la maison là contre Cesson au championnat. On avait à cœur là de faire un gros match parce que c'est sur deux défaites en Ligue des Champions, ça nous est jamais arrivé. Donc voilà, remettre du rythme, de la combativité, et puis à la maison quoi, s'imposer comme ça, c'est important pour la tête, ça fait du bien, tout le monde a joué, tout le monde a marqué, c'était un gros match, c'était cool.